Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Je continue ma série de repas que j'ai cuisinés quand j'étais au village en vacances. Et aujourd'hui, je vous propose la recette de la sauce graine. La sauce graine, c'est les graines de palme. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on coupe tout court, on dit la sauce graine. Mais si vous voulez savoir quel genre de graines c'est, ce sont les graines de palme, comme les palmiers que j'ai montrés en début de vidéo. Donc là, moi je viens de l'ouest et de là où je viens, la sauce graine est pratiquement notre repas principal. Donc pour la cuisiner, on lave la graine qu'on a bien évidemment soit achetée au marché ou recueillie au champ. On vient laver la graine et on rajoute de l'eau. On la met au feu pour la faire cuire. Ça va prendre entre 15 et 20 minutes pour la cuisson. À feu fort, bien sûr. On peut utiliser n'importe quelle protéine, de la viande, de bœuf, mouton, poulet, du poisson. Dans ma recette, moi, je vais utiliser de l'escargot comme protéine principale. Donc, malheureusement, l'escargot, on l'a acheté au marché et on l'a cassé au marché. Donc, j'ai pas pu filmer le processus de nettoyage, de comment on casse l'escargot pour le retirer de la coquille. Quand on casse l'escargot, il y a de l'eau dedans, on retire cette eau bleue-là, elle va participer à bien parfumer notre sauce. Donc dans la casserole, je mets du piment, je mets l'eau de l'escargot, l'eau bleue de l'escargot pour bien parfumer la sauce. Et ici, on vient nettoyer l'escargot. Pour tous ceux qui connaissent l'escargot, il est un peu difficile à cause de la matière gluante qu'il y a dessus. Pour aider à le nettoyer, on rajoute du sel. Ça aide à retirer facilement la matière gluante. On rince bien, on retire tout ce qu'il y a comme effet indésirable sur l'escargot et on vient mettre le tout dans la casserole. Je viens aussi piler le poisson qu'on appelle magne sec. Chez nous, en Bété, on l'appelle dagina, mais c'est connu de tous, magne sec. Je viens piler magne sec, je retire une partie que je vais rajouter à la sauce et la deuxième partie, je vais piler avec de l'oignon violet, on peut utiliser l'oignon blanc pour pouvoir aromatiser la sauce un peu plus tard. Ensuite, je vais venir piler la graine. Et comme vous le voyez à l'écran, il suffit juste de piler, d'utiliser un mortier, piler la graine et ensuite la mettre dans de l'eau pour extraire le jus. Il faudra ensuite filtrer la graine pour retirer tout ce qu'il y a comme résidu et recueillir seulement le jus de graines de palme. Il faut filtrer plusieurs fois pour éviter qu'il n'y ait des résidus qui se retrouvent dans la sauce. Ensuite, on va faire le feu. On va préparer aujourd'hui sur du charbon de bois. Donc, on va faire le feu et mettre la sauce au feu. Je rappelle que dans la casserole de base, il y a du piment, de l'oignon. De la poudre de poisson et aussi l'eau bleue de l'escargot et un peu d'eau pour pouvoir cuire les légumes. Je n'ai pas mis de tomates parce que chez nous, les Bété, on ne met pas de tomates dans la sauce graine. Mais vous pouvez rajouter de la tomate, ce n'est pas une interdiction. Vous pouvez rajouter de la tomate comme vous pouvez le faire, comme là, ma maman est en train de le faire à l'écran. Elle ne rajoute jamais de tomates dans la sauce graine. Je fais cette précision-là parce qu'il y a un gros débat sur on ajoute tomate, on n'ajoute pas tomate. Chacun rajoute ce qu'il veut à sa sauce. Dans cette vidéo-là, moi, je propose juste la manière dont ma maman prépare la sauce graine au village. Ensuite, j'ai rajouté adjuvant, qui est du poisson faisandé que j'avais oublié de rajouter en début. Et je laisse la sauce graine bien cuire. J'ai oublié de préciser, on ne ferme pas. Au début, j'ai fermé à moitié. Quand la sauce a commencé à bien cuire, j'ai retiré le couvercle et j'ai laissé la sauce cuire. Entre-temps, je vais nourrir le poulet en attendant que la sauce continue de bouillir. En cours de cuisson, je viens rajouter du poisson fumé.
Ça encore, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas rajouter du poisson, vous pouvez rajouter autre chose, de la viande fumée, poisson frais. Ensuite, je rajoute des aubergines. Je ne connais pas le nom de ces aubergines-là en français. En béton, on les appelle broco. Français, là, vraiment, ça me fatigue. Et je rajoute aussi le poisson fumé, le poisson magne sec et l'oignon violet que j'avais pilé en début de vidéo. Je viens maintenant retirer l'oignon et le piment que je viens écraser pour rajouter à la sauce. Après cela, on assaisonne très bien la sauce, on rajoute du sel, on rajoute un bouillon d'assaisonnement si on en utilise et on laisse la sauce cuire à feu moyen. C'est-à-dire, comme c'est sur du charbon de bois, j'ai retiré les fagots pour laisser la sauce cuire à feu moyen. Maintenant, il est temps de servir. On peut manger avec du riz, avec plakali, avec foutou, avec ce qu'on veut. Bon appétit! Je n'aime pas poisson. Je n'aime pas poisson. C'est pas que j'ai dit, comme un escargot.